Alors, la présidence Pompidou incarne-t-elle une rupture par rapport à celle du général de Gaulle? Partiellement, mais c'est plus quand même la continuité avec les années 60, si ce n'est que selon le slogan utilisé à l'époque, Georges Pompidou a souhaité incarner un changement. Ce changement, il est politique, une majorité élargie, il est une présidence qui est extrêmement tournée vers l'industrialisation du pays, signe aux yeux du nouveau président que c'est essentiel pour la puissance de la France dans le monde, donc il y accorde une importance toute particulière. On reste dans cette France prospère des années 60, avec un taux de croissance très élevé, un pays très jeune, mais on commence à voir quelques essoufflements aussi, on commence aussi à avoir un tout petit peu de chômage à la fin des années 60, et puis il y a la gestion de l'après-68. Georges Pompidou incarne aussi une nouvelle génération. Si on prend le couple, par exemple, qu'il forme avec sa femme, il y a évidemment quelque chose d'extrêmement différent avec la présidence de Gaulle. Claude Pompidou, d'abord, elle avait du talent, elle avait de l'intelligence, elle avait de la culture. Et elle a manifesté tout cela dans plusieurs domaines. D'abord dans le domaine artistique. Et lorsqu'il y a eu le projet, par exemple, du centre Beaubourg qui est devenu le centre Pompidou, bon, Georges Pompidou n'en a pas vu la réalisation puisqu'il est mort avant, en 1974, et c'est Claude qui a repris le dossier, qui l'a mené à son terme. Après Malraux, les grandes années Malraux dans le domaine culturel, on a avec Pompidou une modernité qui passe par son goût pour l'art contemporain, ce qui ne veut pas dire qu'il néglige les œuvres classiques, qu'elles soient littéraires ou artistiques, mais voilà, c'est l'homme de Beaubourg, c'est l'homme qui aime Nicolas de Staël, qui a Pierre Soulages dans son bureau, et tout cela incarne effectivement un temps nouveau auquel la présidence s'identifie bien. Claude n'a pas du tout aimé que son mari entre en politique et surtout et les fonctions qu'il a eues comme Premier ministre ou comme président. Pourquoi? Parce que Claude Pompidou était une femme lettrée, très artistique, qui adorait les arts et elle aimait beaucoup plus passer son temps dans les galeries d'art et surtout l'art contemporain plutôt que de jouer les premières dames aux côtés des grandes de ce monde. Donc c'était une femme de caractère, c'était une femme élégante, cultivée, mais disons, la politique n'était pas son hobby préféré, et c'est vrai que si elle a joué un rôle, c'est pas dans ce domaine. Alors, les lignes directrices du mandat Pompidou, c'est une ouverture politique, puisque une partie des centristes, qui jusque-là étaient dans l'opposition, rallient et composent la majorité du gouvernement, dans le gouvernement Chaban-Delmas. C'est une ouverture aussi, une modernité en quelque sorte, mais une ouverture par l'entrée de l'accord donné à l'entrée à la candidature de la Grande-Bretagne. C'est vrai que Georges Pompidou a voulu, contrairement au général de Gaulle, que la Grande-Bretagne entre dans l'Europe. Il estimait que la Grande-Bretagne était atlantiste, que la Grande-Bretagne était partisane du libre-échange, et ce qui convenait parfaitement aussi aux idées, correspondait aux idées de Georges Pompidou. Et donc l'entrée de la Grande-Bretagne était un élément donc important et autre qui pouvait non pas équilibrer le couple franco-allemand, mais au moins en tout cas lui donner une autre ampleur. Je crois que Georges Pompidou, pour revenir sur la personnalité de Georges Pompidou, c'est vrai qu'il y avait un mélange de tradition et de modernité. Il était très attaché à certaines valeurs traditionnelles, très proche de la ruralité. Mais en même temps, la ruralité ne s'entendait pas sans la moderniser. C'est aussi la modernité de la vision économique qui est très forte, assez surprenante chez cet homme qui est un homme de la terre, qui est un homme qui est un littéraire, mais qui a une expérience quand même des finances par son passage chez Rothschild et qui surtout a une intelligence extrêmement vive et comprend très vite ces mécanismes. Il comprend que si la France ne se modernise pas fondamentalement en matière industrielle, elle ne pourra pas continuer à garder sa place. Par ailleurs, le Georges Pompidou s'inscrit là dans je dirais, dans la tradition gaullienne, c'est-à-dire en étant contre la supranationalité, qu'il considéré comme étant une blague, il a lancé l'idée d'une identité européenne, culturelle essentiellement,
au congrès de Copenhague en 1973. Donc c'était un Européen, mais en s'inscrivant dans la tradition gaulienne, c'est-à-dire pas de supranationalité, mais en y apportant un élargissement. D'ailleurs, c'était aussi son slogan, son mot d'ordre. Il ne fallait pas faire entrer la Grande-Bretagne, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas élargir l'Europe, avant de l'approfondir. Donc il y a la double facette chez Georges Pompidou, pas forcément un conservateur, mais attaché à une tradition, ce qui n'empêchait pas effectivement de faire avancer la France dans la modernité, notamment sur le plan industriel, voire même de l'urbanisme.